Bonjour, colonel. Tu n'es pas facile à rencontrer. Oh, Clark, qu'est-ce que tu fais ici? Il nous fallait un peu d'intimité. Je suppose que c'est Smith qui t'envoie. Avec de bons baisers de Washington. Ton sourire ne me dit rien qui vaille. Quoi, ça va mal? Ça barde en Amérique du Sud. Mais je suis en vacances. Ça ne m'intéresse pas. Et quand je te dirai ce qui se passe, ça va te passionner. Rendez-vous dans une heure, appartement 232, hôtel du Mont d'Arbois. Ah, les dames ne sont pas invitées. Dommage. C'est l'avion personnel du général Moreno qui a explosé en plein vol. Les éclats d'une bombe ont été retrouvés dans les débris de l'appareil. Maintenant, c'est un montage d'actualité de cinéma et de la télévision. Opérateur de la TV s'est heureusement trouvé sur place. Tout a commencé le mieux du monde. Garde bien maintenant ce qui va se passer. Incroyable. Quatre attentats en un mois, c'est tout de même beaucoup. Hein? Tu ne crois pas? Comme tu viens de le voir, les auteurs de ces crimes meurent toujours avec leurs victimes. Oui, des kamikazes. Oui. Mais combien étrange. Les corps de ces deux terroristes ont pu être identifiés. Ils avaient pourtant de bonnes têtes, non? Oui. Après enquête, un passé irréprochable, jamais de politique. Nous pensons qu'ils ont été conditionnés par une drogue. Une drogue à fabriquer des tueurs. Ah oui. Des robots du crime. En état d'hypnose, alors. Tout porte à le croire. De quelle drogue s'agirait-il? Monsieur Smith espère bien le découvrir en envoyant sur place notre agent le plus perspicace, le plus intelligent et le plus séduisant. Je vois pas du tout de qui tu parles. Et le plus modeste, un certain OSS 117, le colonel Hubert Bonisseur de la BAT. Hein, ça ne te dit rien? Mais enfin, moi, je suis en vacances. Je voulais finir tranquille. Tu verras, le Brésil est un vrai paradis. Non, écoute, je ne veux pas encore aller au paradis. Je suis navré, mais tu n'as pourtant pas une minute à perdre. L'avion de la Varig décolle demain matin. Tu pars là-bas comme journaliste, correspondant de l'agence Associated World Press, qui te servira de couverture. Et je m'appelle Hubert Delcroix. Oui, et voici ton passeport. Moi qui venais de rencontrer hier soir la femme de mes rêves, c'est pas de chance. Encore? Mais tu vas en rencontrer une tous les soirs, Ario. Tu connais notre agent là-bas. Thomas Ellis? Oui. Officiellement, correspondant de la même agence de presse. Il aura des choses intéressantes à te transmettre. Pourquoi il s'en va? Dès que tu seras arrivé, oui. Il est Ario depuis trop longtemps, l'air commence à devenir malsain pour lui.
se présenter au bureau des renseignements. Monsieur Hubert Delcroix, passager en provenance de Paris par voie Varig, numéro 23, est prié de se présenter au bureau des renseignements.